Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de chaussettes tricotées avec ces mini aiguilles circulaires de chez Adi. Alors, pourquoi ces aiguilles mini circulaires? Parce que j'ai essayé différentes techniques, notamment les 5 aiguilles à double pointe et même les grandes aiguilles circulaires tricotées en Magic Loop. Et vraiment de toutes ces techniques, celle avec laquelle j'ai vraiment le plus accroché, c'est celle-ci, les mini circulaires. Donc voilà, je vais vous montrer mon petit tuto que je fais pour donc tricoter ces petites chaussettes. Donc voilà, moi je les tricote en toe-hop, donc c'est-à-dire de la pointe des orteils jusqu'à la cheville. Donc voilà. Alors pour ça, il nous faut un petit peu de matériel. Évidemment, il nous faut les mini aiguilles circulaires de chez Adi. Alors moi, je les ai pris en 2,5 mm, mais vous pouvez les trouver hein, sous différentes tailles. Il nous faut évidemment aussi de la laine à chaussettes. Donc alors, moi j'ai pris celle-ci, jolie dégradée. Donc c'est la Langyarn Jawol Magic dégradée, superwash. Donc voilà, donc hein, je rappelle, la laine à chaussettes, c'est vraiment une laine spécifique pour tricoter les chaussettes. On a 75% de laine vierge et 25% de nylon. Vraiment privilégier la matière naturelle pour les chaussettes, car ça permet aux pieds de respirer, puisque les matières synthétiques ne le permettent pas du tout. C'est une vraie catastrophe au niveau de la transpiration du pied, notamment pour attraper des mycoses, des choses comme ça. Donc vraiment, matière naturelle. On peut aussi utiliser du coton, mais du moment que c'est de la matière naturelle pour les chaussettes, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, après la laine, oui, au niveau de la laine, il faut au minimum 50 grammes pour tricoter une paire de chaussettes, ou jusqu'à 100 grammes. Après, ça dépend en fait hein, de la taille que vous voulez faire. Moi, pour ici, une paire qui monte pas très haut, j'utilise 50 grammes pour les deux chaussettes. Ensuite, il nous faut un petit fil d'amorce pour monter les mailles provisoires. Donc 80 cm de fil approximativement, de la même épaisseur de la laine que vous allez tricoter, évidemment. Il nous faut aussi un petit crochet de 3 mm pour monter les mailles provisoires. Ensuite, il nous faut un petit mètre ruban pour mesurer la chaussette, une paire de ciseaux évidemment pour venir couper le fil. Et il nous faut aussi des petits marqueurs de maille. Hop. Et moi j'utilise aussi cette chose-là. C'est un petit compteur de rang. On vient tourner à chaque fois que l'on fait un rang. Je m'en sers en fait comme marqueur de début de rang. Et à chaque fois que je finis un rang, hop, je tourne. Et comme ça je sais à combien de rangs j'en suis. Donc voilà, au niveau du matériel, on est tout bon. Alors, on va pouvoir commencer, mais je vais d'abord vous expliquer comment je construis la chaussette pour que ce soit plus clair pour vous. Donc j'ai dit comme tout à l'heure que c'était une chaussette toe-up, des orteils vers le haut. Donc moi je commence par monter ici des mailles provisoires sous les orteils et je viens ensuite tricoter la pointe en rang raccourci qu'on peut voir ici. Donc une première partie où je vais diminuer au fur et à mesure mes mailles. Et la deuxième partie où je vais au fur et à mesure réaugmenter les mailles pour arriver au nombre de mailles totales ici, à la fin de la pointe. Donc à ce niveau-là, une fois que j'ai fini ma pointe, je vais rattraper toutes mes mailles. Je vais enlever mon montage provisoire et rattraper toutes mes mailles pour les tricoter ensuite en rond pour former toute la tige, enfin tout le corps du pied. Ensuite, arriver à ce niveau-là, je vais commencer le talon. Donc cette fois-ci, ce sera aussi des rangs raccourcis pour tricoter le talon. Donc pareil, première partie où je vais venir diminuer mes mailles et deuxième partie où je vais venir les réaugmenter. En attendant, les mailles qui seront ici seront en attente sur l'aiguille. Et ensuite, je vais encore une fois rattraper toutes mes mailles pour venir retricoter en rond et finir par les côtes. Et par un arrêt très souple pour pouvoir évidemment passer le pied à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que tout ça c'est clair pour vous. De toute façon, ça va s'éclaircir hein, au fur et à mesure qu'on va tricoter ensemble la chaussette. Pour les dimensions de la chaussette, j'utilise le tableau de French Loop. Je
vous mettrai le lien dans la description. Enfin, donc c'est un petit tableau en fait qui répertorie toutes les différentes tailles de chaussettes et qui nous donne toutes les dimensions pour chacune des tailles, notamment le nombre de mailles qu'il faut monter pour faire des chaussettes. Donc voilà l'exemple que je vais vous montrer ici, ce sera une taille 38-39. Et donc comme on peut voir dans le tableau, il nous faut 60 mailles au total pour faire le corps de la chaussette. Alors voilà, avant de commencer le tricot, on peut déjà se rendre compte que l'aiguille Asie a un côté plus long et un côté plus petit. En fait, c'est pour faciliter le tricot circulaire. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez tricoter avec la petite aiguille dans la main droite ou à l'inverse, la grande aiguille. Donc ça, je vous conseille de faire des essais. Vous montez quelques mailles et puis vous tricotez et vous essayez les deux côtés pour savoir lequel, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Pour ma part, moi je tricoterai donc avec le petit côté à droite, donc comme ceci. Alors commençons. Donc alors, pour ceci, je vais prendre mon petit fil d'amorce, hop, mon aiguille à 10 et mon petit crochet de 3 mm. Alors, on va commencer par monter les mailles provisoires. Donc, comme je vous disais précédemment, ça va dépendre de la façon dont vous voulez tenir vos aiguilles. Moi, je vais tenir donc la petite aiguille à droite. Donc, il faut que je monte mes mailles sur la grande aiguille. Si vous voulez tricoter à l'inverse, tricoter la grande aiguille à droite, vous monterez donc vos mailles sur la petite aiguille. Alors, c'est parti pour le montage des mailles provisoires. Pour cela, je commence par faire une petite boucle autour de mon crochet et je tais la maille. Et ensuite, je viens positionner mon aiguille, donc ma grande aiguille, de façon parallèle à mon crochet. Et je vais effectuer, avec le fil qui est en bas, un tour complet sur l'aiguille et sur le crochet et je vais venir jeter cette maille et ainsi on a créé notre première maille provisoire. Le fil qui est toujours en bas, je répète la même, un tour complet sur mon aiguille et sur mon crochet et je viens jeter la maille et donc là j'ai deux mailles provisoires. Je répète l'opération jusqu'à obtenir 30 mailles. Puisqu'effectivement, on a vu que dans le tableau de French Loop, il me fallait 60 mailles pour tricoter le tour du pied. Et comme je commence par la moitié de la pointe, je viens donc diviser ce nombre par 2. Donc de 60, je passe à 30 mailles. Alors maintenant que j'ai mes 30 mailles montées sur mon aiguille, avec le peu de fil qui me reste, je viens faire quelques mailles en l'air, en veillant à ne pas trop les serrer, puisque c'est par ici en fait que je vais après retirer mon fil pour enlever le montage provisoire. Donc voilà, nos mailles sont montées. Alors maintenant, on va pouvoir prendre notre pelote de laine et venir tricoter le premier rang. Alors, je laisse un petit peu de fil dépasser. Ce sera pour arrêter le fil après. Donc voilà, maintenant, je viens tricoter un premier rang en droit. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit.
Et voilà, mon premier rang en droit est fait. Je viens retourner mon travail et tricoter cette fois-ci un rang en vert. Et voilà mes deux premiers rangs tricotés. Et c'est maintenant que je vais commencer les rangs raccourcis. Alors je vais tricoter tout mon rang à l'endroit, sauf les deux dernières mailles. Donc voilà, il me reste deux mailles sur mon aiguille gauche. Et donc je vais commencer mes rangs raccourcis. Et pour cela, je vais donc faire des mailles jumelles avant de retourner mon travail pour éviter de faire un trou en fait entre les deux mailles qu'on a ici sur l'aiguille gauche et ici sur l'aiguille droite. Alors pour ce faire, je vais venir chercher la maille qu'il y a ici en dessous. Alors vraiment, hop, je viens la piquer de derrière vers le devant et je viens la positionner sur mon aiguille gauche. Alors hop, comme ceci, maintenant j'ai trois mailles sur mon aiguille gauche, les deux dernières de mon rang précédent et celle que je viens de relever du rang précédent. Et donc cette maille là, je vais venir la tricoter comme une maille à l'endroit. Hop, qui vient donc se positionner ici sur mon aiguille droite. Et je vais donc la glisser cette fois-ci sur l'aiguille gauche. Vous voyez bien, hein, donc, comme ceci. Et voilà ma première maille jumelle qui est formée. Donc en fait, on a deux mailles ici qui est formée dans la même maille du rang précédent. Ainsi, je vais pouvoir tourner mon travail et continuer à tricoter mon rang en vert sans qu'il n'y ait de trou entre les deux. Et donc, comme le premier rang en droit, le premier rang en vert, je m'arrête deux mailles avant la fin du rang. Et donc là, cette fois-ci, je vais créer une maille jumelle, pareil, sur le rang en vert. Donc pour ce faire, je glisse l'avant-dernière maille, comme si j'allais la tricoter à l'envers, mais je ne la tricote pas, je la glisse. Donc je n'ai plus qu'une seule maille ici sur mon aiguille gauche. Ensuite, je viens piquer la maille du dessous et la mettre sur mon aiguille gauche. Et c'est cette maille-là que je vais venir tricoter à l'envers. Donc je pique comme si je la tricotais à l'envers et je la tricote. Donc voilà notre maille jumelle qui est créée. Mais on va la passer, hop, on va la glisser sur l'aiguille gauche. Et donc voilà la maille jumelle que nous venons de créer. Et ainsi je peux retourner mon travail et continuer à tricoter mon rang en droit sans qu'il n'y ait de trou entre les deux. Et je répète l'opération sur mon rang en droit. Cette fois-ci, je viens tricoter jusqu'à la maille précédente
la maille jumelle. Donc voilà, nous avons ici notre maille jumelle et ici la maille précédant cette maille jumelle. Et donc on répète l'opération sur le rond endroit. Je viens piquer la maille du dessous, de l'arrière vers l'avant. Je viens la positionner sur mon aiguille gauche et je viens la tricoter comme une maille à l'endroit. Et cette nouvelle maille, je viens la glisser sur l'aiguille gauche. Et donc maintenant, on voit bien que nous avons deux mailles jumelles. Je vous montre encore une fois pour le rang en vert. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la maille précédant, la maille jumelle. Donc voilà, arrivé à la fin de mon rang en vert. J'ai donc la maille jumelle qui est ici, la maille précédente. Donc pour ce faire, je viens glisser la maille comme si j'allais la tricoter à l'envers. Et je viens piquer dans la maille du dessous, de l'avant vers l'arrière. Et je la positionne donc sur mon aiguille gauche. Et je viens tricoter cette maille à l'envers. Et voici la maille jumelle qui est formée, que je viens glisser sur mon aiguille gauche. Donc voilà, je vais répéter l'opération pour avoir 9 mailles jumelles de ce côté-là et 9 mailles jumelles de ce côté-ci. Alors, si vous faites une chaussette avec une autre taille que celle que je vous montre ici, en fait, il faut diviser votre nombre de mailles par 3 pour avoir un tiers de mailles jumelles, un tiers de mailles normales et un tiers de mailles jumelles par ici. Alors, voilà ce que ça donne une fois qu'on a réaliser nos 9 mailles jumelles de chaque côté. Donc alors on obtient une maille lisière, les 9 mailles jumelles, 10 mailles au centre, 9 mailles jumelles et une petite maille lisière ici. Donc voilà, maintenant là en fait on vient de réaliser cette partie là, donc du bas de la chaussette jusqu'en haut. Donc en fait on vient de faire ça. Maintenant, on va réaliser cette partie-là. Donc, en venant rattraper progressivement toutes les mailles jumelles qu'on avait laissées de côté pour arriver à ce niveau-là. Pour ce faire, hop, on reprend son tricot et on tricote le rang à l'endroit jusqu'à la maille jumelle. Que l'on vient tricoter comme une seule et même maille. Donc alors attention à bien piquer dans les deux mailles de la maille jumelle et on vient la tricoter, hop, comme si ce n'en était qu'une seule. Cependant, si je retourne mon tricot tout de suite et que je fais mon rang en vert, j'aurai un trou à ce niveau-là. Donc alors, pour éviter ça, je répète la même opération que sur les rangs précédents en piquant dans la maille du rang précédent, en la glissant sur l'aiguille gauche, en venant la tricoter comme une maille en droit et en la reglissant sur l'aiguille gauche, ce qui nous fait une maille triple. Voilà, on voit bien qu'on a 3 mailles dans la maille du rang précédent. Et comme tout à l'heure, on vient retourner son travail et tricoter le rang en vert
jusqu'à la première maille jumelle. Et donc cette maille jumelle, je viens la tricoter à l'envers comme si ce n'était qu'une seule et même maille. Je viens bien piquer dans les deux mailles jumelles, enfin dans les deux mailles de la maille jumelle, et je la tricote comme si ce n'était qu'un seul bloc. Et je répète l'opération encore une fois pour créer une maille triple. Donc je glisse la maille jumelle, je viens piquer dans la maille du dessous et je viens la tricoter comme une maille à l'envers. Hop. Et je viens reglisser cette maille triple sur mon aiguille gauche. Et donc là, j'ai une maille triple. Je retourne mon travail et je répète l'opération. Cette fois-ci jusqu'à la maille triple. Me voici arrivée à la maille triple. Eh bien, les trois petites mailles. Et je viens la tricoter comme si ce n'était qu'une seule et même maille. Donc, je viens bien piquer dans les trois. Je la tricote à l'endroit. Et j'effectue la même opération en venant piquer dans la maille du rang précédent, je la place sur mon aiguille gauche et je viens la tricoter à l'endroit que je replace ensuite sur l'aiguille gauche pour avoir une maille triple. Je vous montre une autre fois encore pour le rang envers. Donc voilà ma maille triple que je viens tricoter à l'envers comme si ce n'était qu'une seule et même maille. Et je recrée une maille triple sur cette maille-ci. Donc je viens la placer sur mon aiguille droite. Je pique dans la maille juste en dessous. Et je la tricote à l'envers. Et ensuite, je viens replacer cette maille triple sur mon aiguille gauche. Et donc, je répète ces deux rangs jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mailles doubles. Donc là, on voit déjà qu'on a la petite pointe qui commence à se former à ce niveau-là. Donc voilà, une fois que j'ai enlevé toutes mes mailles triples, il m'en reste juste une ici. Avec ma petite maille lisière et donc pareil de l'autre côté, une maille triple et ma petite maille lisière. Je vais terminer ces rangs là en tricotant le rang en droit. Donc je tricote ma maille triple comme si ce n'en était qu'une seule. Et là je viens faire une maille jumelle dans la petite maille lisière qu'on avait laissée de côté. Donc même opération, je pique. Hop, si je vous remonte. Voilà, on est comme ça. Je viens piquer dans la maille du rang précédent. Que je mets sur mon aiguille gauche et que je viens tricoter comme une maille en droit que je hop, replace sur mon aiguille gauche. Je refais pareil pour le dernier rang envers. Donc je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et voilà ma maille triple que je tricote comme une maille envers. Et je fais ma dernière maille jumelle. Donc je passe la maille, la dernière maille de mon aiguille gauche sur l'aiguille droite. Je viens
piqué la maille du rang précédent et je la tricote à l'envers. Et cette fois-ci, je vais la laisser sur mon aiguille droite. Donc voilà, on a formé la pointe de la chaussette. Donc là, on a le dessous du pied et là, le dessus du pied. Donc voilà, je vais tricoter un dernier rang en droit avant de reprendre mes mailles et d'enlever mon montage provisoire. Alors là, ma maille jumelle, je la tricote comme si ce n'était qu'une seule et même maille. Et je tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Et ma dernière maille jumelle, hop, comme si ce n'était qu'une seule et même maille. Donc voilà, j'ai mes 30 mailles ici de la fin de la pointe. Et je vais venir récupérer les 30 mailles que l'on avait montées ici au début pour bien faire donc 30 et 30, 60 mailles, donc le tour pour une paire de chaussettes de taille 38-39. Pour récupérer les mailles du montage provisoire, je viens placer donc mon ouvrage sur la grande aiguille, puisque j'ai la fin de mon montage provisoire qui est de ce côté-ci. Et donc je viens retirer, voilà, ma petite chaînette que j'avais fait ici, d'où l'importance de ne pas trop serrer le fil quand on fait son montage provisoire pour que ce soit plus facile à retirer. Et ensuite, donc là j'ai ma dernière boucle du montage provisoire, je viens pincer entre mes doigts et en tirant dessus, je vois qu'ici j'ai ma toute première maille provisoire. Donc je viens piquer mon aiguille à l'intérieur, de devant vers l'arrière, et je retire en tirant légèrement la maille provisoire du montage. Ça me refait de nouveau une petite boucle, j'espère qu'on voit bien. Je viens tirer en la pinçant, je viens tirer sur cette boucle et je vois ma deuxième maille qui est ici. Donc je viens piquer à l'intérieur et en tirant délicatement, hop, je viens d'enlever la maille du montage provisoire. Et je répète l'opération sur mes 30 mailles du montage provisoire. Alors c'est là qu'on peut se rendre compte aussi que c'est plus facile de prendre un fil contrastant pour faire le montage provisoire. Puisque là on voit bien effectivement quel est mon fil provisoire et quel est le fil de la chaussette. J'essaie peut-être de se rapprocher un peu. Voilà, ma petite boucle du montage provisoire qui est ici, je viens la pincer entre mes doigts et en tirant légèrement dessus, je vois ici ma maille à venir piquer à l'intérieur et je tire doucement, voilà, pour libérer l'autre boucle. Et au fur et à mesure, hein, mes autres mailles viennent glisser tout le long du câble. Et voilà.
Donc mes 60 mailles sont maintenant prêtes à être tricotées en rond. Comme ceci. Alors avant de tricoter en rond, je viens placer mon petit anneau marqueur. Et comme ça, je sais où est le début de mon rang. Et maintenant, je viens tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Alors, les premières mailles au début peuvent être un petit peu difficiles, parce que là, le tricot est encore un petit peu serré. Mais après, le premier rang, c'est beaucoup plus fluide pour tricoter. Et voilà mon premier rang effectué. Un petit 1. Et donc je vais continuer à tricoter en rond, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le talon. Donc voilà ce que l'on obtient après avoir tricoté plusieurs tours en rond. Alors pour savoir jusqu'où l'on doit tricoter avant de commencer le talon, on va se reporter au petit tableau de French Loop pour savoir les dimensions. Donc alors comme il est écrit dans le tableau, pour une taille 38-39, la longueur du pied totale est donc de 25 cm. Donc il faut tricoter 20 cm de la pointe jusqu'au talon. Et les 5 derniers centimètres, ça correspondra donc au talon. Donc une fois que vous avez mesuré vos 20 cm, moi ça correspond à peu près à 54 tours. On va donc diviser notre travail en deux pour venir commencer le talon. Alors pour ça, je vais mettre un petit marqueur à 30 mailles de mon premier marqueur. Donc là j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc je vais mettre mon petit marqueur ici. Hop. Voilà, et donc là... on est bien d'accord que je viens travailler le talon sur ces mailles-là qui correspond bien, au-dessous du pied. C'était ici qu'on avait fait notre montage provisoire. Donc ici, on a le dessus du pied. Ces mailles-là, je ne sais pas si on voit bien, vont rester en attente le temps qu'on travaille le talon de ce côté-ci. Alors, le talon, on vient de le travailler exactement de la même façon que la pointe, donc c'est-à-dire en rang raccourci. Pour cela, je commence à tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la maille précédant le marqueur. Donc voilà, nous avons ici le marqueur et la maille juste avant. Et comme pour la pointe, on va venir donc faire une maille jumelle en piquant dans la maille du rang précédent, en la plaçant sur l'aiguille gauche et en venant la tricoter comme une maille en droit que l'on vient replacer sur l'aiguille gauche. Ainsi, on tourne le travail et on vient tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à la maille précédant le marqueur de début de rang.
Nous voilà arrivés sur la maille précédant le marqueur que l'on a ici. Et donc exactement comme pour la pointe, je glisse la maille sur mon aiguille droite. Je viens chercher la maille en dessous, la maille du rang précédent, que je viens tricoter comme une maille en vert. Et je replace cette maille jumelle sur mon aiguille gauche. Je viens retourner mon travail et continuer ainsi de suite en créant ces mailles jumelles de part et d'autre. Donc comme pour la pointe, je vais faire donc 9 mailles jumelles de ce côté-ci et 9 mailles jumelles de ce côté-là, ce qui nous laissera 12 mailles au centre. Donc voilà, après avoir fait la première partie donc du talon, j'ai mes 9 mailles jumelles ici, mes 12 mailles au centre et les 9 mailles jumelles de l'autre côté. Donc pour finir la deuxième partie du talon, on vient exactement refaire la même chose que pour la pointe, donc c'est-à-dire tricoter jusqu'à la première maille jumelle. La tricoter comme si c'était une seule et même maille et créer une maille triple sur la maille suivante et ainsi retourner le travail, tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à la maille jumelle. La tricoter à l'envers comme si ce n'était qu'une seule et même maille. Oups. Et créer une maille triple sur la maille suivante. Et continuer donc ainsi de suite jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mailles jumelles. Donc voilà, maintenant que le talon est terminé, il me reste une maille triple ici et une maille triple juste avant le marqueur. Donc voilà, notre petit talon qui est bien formé. Maintenant, on va venir continuer à travailler en rond. Donc je vais travailler toutes mes mailles à l'endroit, tricoter cette maille triple comme si ce n'en était qu'une seule, enlever le marqueur et continuer à travailler toutes les mailles en rond. Comme ceci, jusqu'à atteindre la longueur voulue pour la tige de la chaussette. Alors voilà ce que l'on obtient après quelques rangs tricotés en rond. Alors moi ici je m'arrête à 20 rangs, parce que je ne suis pas trop fan des chaussettes longues, je préfère les chaussettes courtes. Donc voilà, je tricote 20 rangs après mon talon, et maintenant je commence les côtes de 2. Alors pour ça, rien de plus simple, on continue à travailler en rond en faisant 2 mailles en droit et 2 mailles en vert sur tout le pourtour de la chaussette. Maintenant que mes rangs de côtes sont finis, je vais venir arrêter mes mailles une par une. Pour cela, je vais utiliser un arrêt souple pour que la chaussette soit plus facile à passer au niveau du coup de pied. Alors, pour cela, je viens tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai 2 mailles en droit, je les tricote toutes les deux à l'endroit. Et ensuite, je viens piquer mon aiguille à l'intérieur de ces 2 mailles et je viens la faire passer devant pour venir tricoter ces 2 mailles à l'endroit. Maintenant, la prochaine maille qui se présente, c'est une maille à l'envers. Alors je passe mon fil à l'avant et je viens la tricoter à l'envers. Et ces 2 mailles présentes, maintenant je vais passer mon aiguille à l'intérieur en la faisant passer derrière et je viens tricoter ces 2 mailles à l'envers comme ceci. La prochaine maille qui se présente est une maille à l'envers, alors je répète l'opération, je la tricote à l'envers, je viens passer mon aiguille
dans les deux mailles que je passe derrière et je viens les tricoter à l'envers. Maintenant, j'ai une maille en droit qui se présente. Alors, je passe mon fil vers l'arrière. Je tricote ma maille en droit. Je viens passer mon aiguille à l'intérieur des deux mailles que je fais passer cette fois-ci devant pour tricoter ces deux mailles à l'endroit. Encore une fois, là j'ai une maille en droit qui se présente, alors je la tricote à l'endroit. Je viens passer mon aiguille dans les deux mailles en la faisant passer par devant pour tricoter ces deux mailles à l'envers. Et je continue ainsi de suite avec mes mailles envers que je tricote à l'envers et les deux mailles que je viens tricoter à l'envers également. Et donc je continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mailles sur mes aiguilles. Après avoir arrêté donc toutes mes mailles, il m'en reste juste une dernière sur l'aiguille. Je vais venir la tirer un petit peu pour ne pas la perdre. Et ensuite, je vais utiliser mon petit ciseau pour couper le fil qui nous reste. Voilà. Et cette petite boucle, cette petite maille qui nous reste ici, je vais venir la passer dans la première maille du rang pour éviter que ça nous fasse un petit décalage entre les deux. Donc pour ceci, je viens m'aider de mon crochet que je viens passer dans la première maille, comme ceci. Et je viens y passer la boucle à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai ma boucle qui est passée dans la première maille. Hop. Je viens récupérer mon petit fil. Je le passe derrière pour éviter que ça ne se voie devant. Et ensuite, je passe ce petit fil qui reste dans la maille et je viens serrer le tout. Donc voilà notre première chaussette terminée. Donc j'ai plus qu'à tricoter la deuxième qui va venir avec cette fin de pelote. Alors l'avantage de tricoter avec ces petites aiguilles, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut en modèle. Là, je vous ai montré un modèle simple, mais rien ne vous empêche de rajouter des petites torsades ou un petit motif de dentelle sur le devant du pied, de faire plus ou moins long au niveau de la cheville, de faire des petites côtes de 2, là, comme j'ai montré, ou alors 1-1, faire un point mousse pour terminer, pourquoi pas. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses à faire avec les chaussettes. Jouer avec les couleurs, avec les talons et les pointes contrastantes aussi. Donc voilà, laissez libre cours à votre imagination pour tricoter vos petites chaussettes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir !